être bien difficile de passer derrière Elena Vitrychenko. C'est pourtant la tâche qu'attend Dora Tott, la petite Hongroise, qui a l'air assez contractée sur cette image. On a plutôt l'habitude de voir les gymnastes souriantes, même si celui-ci est assez, quelquefois, fin. Mais là, le sourire arrive. C'est vrai que la concentration doit être totale et qu'il est parfois difficile de sourire en même temps dans les 10 secondes qui précèdent l'entrée en piste. Musique également du folklore de l'Est pour la jeune Magyar. Les 30 premières secondes se passent très bien. Figure finale, très bon travail au sol, j'allais dire peut-être meilleur travail au sol que dans les airs. La corde ne s'est peut-être pas tout à fait assez envolée à notre gré, il y a eu beaucoup de travail dans la main. Mais enfin, malgré l'absence de grandes difficultés techniques, ce qu'elle nous a proposé s'est tout de même bien passé. Alors.